Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV. On se retrouve pour ce 16e épisode sur Factorio. Et je vous ai donc préparé un petit peu quelques surprises. Donc, pour faire un petit peu le tour, j'ai mis en place déjà toutes les usines pour traiter le pétrole, donc le pétrole lourd. Ici, donc j'ai juste deux petites usines avec un interrupteur ici qui va me servir à activer ou pas le traitement du pétrole lourd pour le transformer en pétrole léger. La même chose ici sur la ligne du traitement du pétrole léger qui va me servir à fabriquer le combustible solide. Et une deuxième ligne ici qui me servira à transformer le pétrole léger en gaz pétrolifère. Donc cette ligne-là ne s'active que si je suis en manque de gaz pétrolifère. Sinon, c'est le combustible solide qui sera fabriqué, mais seulement à partir du moment où j'ai assez de pétrole léger, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà, donc ça, c'est sans trop de surprise. Ici, j'ai fait la fabrication du soufre et de l'acide sulfurique. J'ai fait amener le fer dont j'ai besoin par le système logistique. Comme ça m'évite de tirer des convoyeurs sur toute la map. Et j'ai décidé dans cette usine d'exploiter au maximum le système logistique. C'est pour ça qu'ici le combustible solide sera déversé dans des coffres logistiques. Amené ici dans une série d'usines qui fabriquent donc le carburant pur fusé, pareil, qui sera reversé dans des coffres logistiques, et ces coffres logistiques iront approvisionner un train que je vous montrerai juste après. Donc j'ai mis en place les trains, donc là pour l'instant pas de surprise, hein, tout était prêt. Donc j'ai mis les 6 trains et surtout j'ai mis en place les différentes mines. Alors, où est-ce qu'elles sont? La mine fusée 1, donc c'est vraiment celle qui est réservée donc à la partie de la base de l'usine qui sera exclusivement faite pour lancer des fusées. Donc la première mine est ici, donc pas trop loin, voilà. La deuxième, donc ça c'est une mine de fer. Ensuite je crois que j'en ai une par là. Ici non, alors ici, celle-ci, je suis venu donc l'exploiter, c'est ma mine de fer 2 pour la fusée, donc elle est ici avec le chargement du train tout à fait classique, et j'ai donc fait mon petit pont ici, comme vous avez pu le voir rapidement sur le timelapse, avec ici, donc j'ai fait qu'une seule voie, donc ici il y a un feu de priorité qui laisse le train passer sur la voie complète, et pareil ici un feu de priorité, donc si la voie est occupée les trains patienteront, donc soit ici soit de l'autre côté, voilà, et donc ça va venir jusqu'à cette petite mine de fer. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici donc celle-là elle y était déjà, voilà, là le fer 3 pour la fusée, donc la plaque que je vous avais déjà indiqué lors de l'épisode précédent, et on va remonter pour aller chercher le cuivre ici, pareil, juste pour la fusée, et ici encore une plaque de cuivre exploitée exclusivement pour la fusée. J'ai commencé à remonter ici la ligne de train, je vais avoir besoin d'aller chercher cette plaque de fer, pas pour la fusée, mais pour remplacer un petit peu des plaques qui commencent à être un peu tristes en minerai. Je pense à celle-ci, si je dis pas de bêtises, voilà. Là, ça commence à être un peu court. Ça alimente deux trains en plus, donc il va falloir que je pense à la changer. Celle-ci, non, celle-ci, ça va bien. L'autre, je ne l'ai pas commencé à exploiter. Il y en a une autre, je crois, qui commence à être un peu compliquée. Celle-ci, je crois. Non, c'est pas celle-là. Bien, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je referai le tour de toute façon, mais le fait est que les mines exploitées pour mon usine principale commencent à se tarir légèrement. Donc je commence à prévoir et à anticiper un petit peu. Enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, et là je me suis fait un petit plaisir perso, on va dire. J'ai créé un train qui est ici, avec 4 wagons.
Et chaque wagon va contenir des éléments exclusivement pour les fusées. Donc ici le combustible, ici pardon, les structures à faible densité, ici les unités de contrôle. Et ici il y aura donc un satellite. Et ce wagon récupérera également les packs de sciences spatiales, donc les potions blanches. Donc pareil, tout est alimenté par le réseau logistique. Et j'alimente également les locomotives avec du carburant pour fusées, ce qui donne une accélération de 180%. Donc le train est beaucoup plus rapide. Et alors, ce train, où va-t-il? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Je dois y aller, ça tombe bien. J'ai fait un emplacement pour mon silo de missiles pour lancer ma fusée. Et je l'ai, on va dire, complètement éloigné de ma base. Ce qui était absolument pas du tout nécessaire, mais comme j'ai dit, ça me faisait plaisir et je me suis fait un petit délire, on va dire. J'ai essayé de la jouer un petit peu réaliste en me disant, lancer une fusée, c'est quand même très dangereux, il faut quand même éloigner ça de la base principale. Donc je suis allé poser ça ici, au milieu d'un lac en fait. Voilà, donc j'ai créé une petite digue, on va dire, et j'ai posé mon silo ici, donc en plein milieu de ce lac qui est là. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, ça ne sert absolument à rien, mais moi je trouvais ça un peu rigolo, pour le délire, on va dire. Voilà, donc de la même manière, du silo sortiront ici exclusivement les packs de sciences. Je vais récupérer, et ici donc je fais la demande de tous les matériaux. Donc alors ça, j'ai pas encore fait les demandes justement, on va les faire tout de suite. Donc je vais avoir besoin de structures à faible densité au maximum, je vais avoir besoin de ça au maximum, je vais avoir besoin des unités de contrôle et je vais avoir besoin d'un satellite. Voilà. Et là, ça commence à s'approvisionner parce que, comme vous voyez, j'ai mis des roboports avec plein de robots. Il y en a 1000, je crois. Et tous ces roboports, en fait, font l'aller-retour jusqu'à la gare, puisque ici, tout est déversé dans des coffres, depuis les wagons, dans des coffres de logistique. Donc voilà, j'exploite vraiment à fond le système logistique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais quand même rappeler mon train parce que évidemment il s'est vidé, donc il est parti. Donc on va le rappeler pour le faire revenir, puisqu'il faut également que je place, alors je pense que ça doit être ici, on va vérifier, mais ça doit être là. Je place la demande de des potions, des packs de science. Voilà. Et il va falloir attendre que de lancer une fusée pour récupérer des packs de science et que ça charge ici. Alors je vais devoir y mettre des conditions logiques parce que du coup les conditions wagon plein et wagon vide ne seront plus du tout appropriées. Voilà, on va mettre en manuel. Et si j'ai bien calculé mon coût, voilà, ça doit être ça. Donc ici effectivement j'ai mis la fusée, donc on est ici à fusée. Et j'ai mis wagon vide, mais c'est pas du tout ce qu'il va falloir faire. Je pense que de manière un peu plus simple, je vais mettre juste un temps d'inactivité, un temps d'attente. On va mettre 45 secondes, ça va être largement suffisant, même 30 en fait, ça devrait être assez rapide. Et ici, wagon plein, je pense que je vais pouvoir également attendre un petit peu. Pas assez de rangement disponible dans le réseau logistique. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'a pas assez de rangement. Oui. Oui, ce qui est logique. D'accord, eux ils attendent en fait. Je vais mettre des coffres jaunes peut-être pour patienter. Est-ce que ça pourrait... Voilà. En attendant. Ça fait servir de tampon a priori. Ça servira de tampon puisque là c'est déjà plein. Donc du coup lui il a dû commencer à charger. Voilà.
Donc j'ai pas encore commencé à construire les autres éléments. J'ai juste fait le carburant pour fusée. Donc bah, du coup on va s'y mettre. Et la première chose déjà que je vais faire, ça va être d'activer mes trains qui sont donc à la gare de l'usine de fusée. Puisque j'ai posé les trains, mais je n'en ai encore activé aucun. Et on va commencer la fabrication des choses. En particulier donc les structures à faible densité. On va avoir besoin d'acier, de cuivre et de plastique. Et on va fabriquer également les unités de contrôle. Donc là j'aurai besoin de processeurs et de modules de vitesse. Il va falloir que je fasse du circuit vert, du circuit rouge, du processeur et du module de vitesse. Voilà. Donc, on va laisser le train se remplir tranquillement. Et on va activer tous nos trains. Donc celui-ci il est déjà, il fait déjà des allers-retours. Celui-ci c'est un fusée cuivre 3, donc on va lui rajouter cuivre mine fusée 3 va en plein et automatique. C'est parti. Lui c'est la cuivre 2, donc mine fusée 2 va en plein et automatique. Lui, ça va être le numéro 1. Donc, cuivre, mine fusée numéro 1, wagon plein et automatique. Toi, ça doit être le fer 3, voilà. Donc, fer, mine fusée 3, wagon plein. Wagon plein et automatique. Et le dernier. Une fusée 1, wagon plein, automatique. Voilà, ils sont tous partis. Ils sont tous partis pour aller chercher donc les matériaux. Donc ils vont tout me ramener ici. Ça va commencer à cuire tout le minerai. Et là, à partir de là, il va falloir exploiter ce minerai. Donc ici, j'ai les sorties de four. Je vais avoir 3 lignes de cuivre, 3 lignes de fer. Je pense qu'il va falloir que je me fasse l'équivalent d'un main bus. Alors ici je vais être je pense assez limité si je pars dans ce sens là, puisqu'ici je vais retomber sur mon usine principale qui au final ne travaille quasiment plus hein, pour le moment. Donc je vais faire je pense un main bus en partant vers le haut. Donc je vais commencer à tracer ça. On va faire 3 lignes de fer, 3 lignes de cuivre. Et faut surtout pas que j'oublie que je vais avoir besoin d'acier. Donc je pense qu'il y a une des lignes de fer qu'il va falloir. Ou alors je rajoute une ligne supplémentaire ici en bas. Une ligne de four. Mais pour l'acier, qu'il va falloir que j'aille. Qu'il va falloir que j'alimente par contre. Et là, au niveau des plaques de fer. Ouais, j'ai celle-là, mais j'avais dit que j'utiliserais pour mon usine principale. J'ai celle-ci. Celle-ci. 700 000. Je sais pas si ça me fera très très longtemps. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen, mais il va falloir réellement que je me prépare une ligne d'acier. Donc je prépare le main bus et je commence à poser rapidement les premières usines pour les circuits.
Alors, je viens de mettre en place donc le main bus. J'ai mis deux rangées de fabrication de circuits verts. Je vais commencer par mettre une ligne de fabrication de circuits rouges. Pour ça, par contre, je vais avoir besoin de plastique. Donc, il faut que je revérifie bien la recette. Donc, c'est du charbon, du gaz pétrolifère. Donc, rien de bien compliqué. Je pense que je vais en faire 4. On va les mettre par ici. C'est ce qui était prévu. Et on va essayer d'utiliser pareil le circuit logistique pour alimenter tout ça. Évidemment, je vais pas être dedans. Forcément. Alors, il me faut du coffre bleu pour demander le charbon. On va demander 50, je pense que ça devrait suffire. Voilà, et on va sortir le plastique. On va mettre ça dans du coffre rouge et on va voir si ça va suffire à alimenter l'usine de circuit rouge en utilisant donc la logistique et les petits robots. Je vais être un peu limite, je pense que je vais mettre 200. 200 on a dit. Voilà. Voilà. Là du coup, ça s'active un peu plus. Donc pour rappel, il récupère le charbon qui arrive ici par le train. Et ça va me consommer donc du gaz pétrolifère. Donc là, je vais avoir mon plastique et on va essayer de mettre en place une ligne de circuit rouge. Alors là, j'avais une ligne, somme toute, assez classique. Donc on va partir sur cette base-là, sachant qu'il faudra quand même le cuivre. Et c'est pareil pour les circuits verts, je me tâte à les mettre dans du circuit logistique, dans des coffres, mais j'ai peur que ça m'en consomme quand même beaucoup. Après, en même temps, des robots, j'en ai plein. Que je n'utilise pas. On va mettre ça par ici, un peu plus loin. On va pousser un peu, on va laisser de la place pour rajouter du circuit vert s'il y a besoin. Voilà, donc là j'ai tout couvert avec des robots ports bien alimentés. Par contre, j'utilise, je crois, je suis sur le même circuit, ouais, je suis sur le même circuit que la base de manière générale. Donc j'ai toujours les 3000 robots à ma disposition. Donc on va jouer un peu là-dessus en espérant que ça suffise pour tout alimenter. Donc là c'est normalement la ligne qui alimente en circuit vert et en plastique. Donc là on va mettre des coffres bleus de demande. Voilà, là il va falloir quand même que j'alimente en cuivre hein, puisque ça va être nécessaire. Donc on va mettre du circuit vert, mettre 100 et du plastique, on va mettre 100 aussi, 50, je sais plus ce que ça utilise, 2 et 2, et ça fabrique en 6 secondes, donc 50 ça devrait suffire. Voilà. On va copier cette demande sur tous les coffres.
Voilà. Et maintenant, il faut alimenter en cuivre. Alors, on va faire notre ligne cuivre comme ceci. Évidemment, je n'ai pas poussé le même bus assez loin. Voilà, donc on va voir le cuivre qui va arriver. Ça commence à alimenter légèrement. Beaucoup trop par contre. Ça manque de plastique apparemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça produit pas assez vite? Est-ce que ce sont les robots qui n'arrivent pas à alimenter assez rapidement? On va regarder. Non, ça a l'air de construire quand même très très rapidement. Ça apporte bien le charbon de manière constante. Ça produit très très vite, il n'y a pas de souci. Est-ce que par contre au niveau... Donc là il y a une connexion directe. Normalement ça devrait suffire. Alors je manque peut-être de robots. Non quand même j'en ai 3500, je pense que ça devrait être largement suffisant. Je connais pas la proportion exacte de ce qui est nécessaire. Donc je manque toujours de cuivre. Oui, évidemment. Voilà. Parce que là c'est plein par contre. 50, 50, 50. Et on va faire le même principe. On va mettre les sorties. On va mettre les sorties dans les coffres logistiques. Coffre d'approvisionnement. Voilà. Et voilà. Donc là, on va approvisionner en circuit rouge. Du coup, maintenant, on a le circuit vert. Alors là, je lui demande du circuit vert, mais a priori, ça vient de ma première usine, hein, puisque là, j'ai pas mis les sorties dans les coffres logistiques. Peut-être faire ça. Peut-être faire ça. Donc là, ça va bien alimenter normalement en circuit vert. Ici, on en demande, donc ça devrait arriver de manière constante. Ici ça alimente bien au circuit rouge et du coup circuit vert et circuit rouge on va pouvoir faire des fabrications de processeurs avec l'acide sulfurique. Donc comme il faut de l'acide sulfurique et que l'acide est ici, on va faire les processeurs ici au milieu, un peu entre les deux, ce serait pas mal du tout. Alors on va utiliser de la machine rapide. On va refaire quelques-unes. J'en ai besoin de combien? J'ai besoin de 4. J'en aurais besoin a priori de 4. Ça me suffirait. Pour ce que je veux faire, on va en faire 5. Si l'acide sulfurique sort de là. Attendre que ce soit approvisionné. Voilà, ça arrive très très vite. Ça va être vraiment la danse des robots dans tous les sens. Le charbon, les circuits verts, les circuits rouges, les processeurs. Ça a l'air de manquer de circuits rouges. Il
Alors ça va, c'est le temps que ça stack aussi, hein, parce que j'en demande beaucoup. Alors, tous les coffres sont à peu près approvisionnés. On va voir si là ça tient la cadence, mais ça a l'air. Les coffres, on voit que il n'y a pas un seul de vide. Il y en a 45. Ceux-là sont vides. Ça a l'air de tenir le coup. Alors c'est beaucoup moins facile de vérifier en fait, hein, si c'est bien approvisionné ou pas, parce que si on voit tout de suite avec des convoyeurs si les tapis sont vides, on voit si effectivement là, c'est vide, il n'y a pas le logo. Là on voit qu'il n'y a pas le logo, donc c'est que c'est vide. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué de le voir. C'est obligé d'ouvrir les coffres, ou alors il faut se mettre des systèmes logiques. C'est pas très très évident. Donc ça c'est bon. Maintenant il faut que je fasse du module de vitesse de niveau 1. Il va me falloir 5 machines. Donc pareil, on va en faire 6. Et on va utiliser le même principe. On va utiliser le système logistique. Voilà, donc j'ai du processeur, j'ai du module de vitesse, donc normalement je suis capable de faire les unités de contrôle de fusée, et je vais en faire 10 usines, donc 2 lignes de 5 qu'on va faire à côté, ici pas trop loin, pour garder une certaine logique. Voilà, et là l'alimentation, on voit que ça commence à tourner, donc c'est assez long, hein, c'est 30 secondes, et normalement j'ai pas besoin de faire une demande quelque part puisque c'est déjà créé ici, coffre de demande, ça doit être celui-là, voilà, je demande 20 000 unités de contrôle de fusée, donc ça va remplir automatiquement mon wagon. J'ai déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, le carburant. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire les structures à faible densité. Pour ça, je vais avoir besoin d'acier. Alors, étant donné que j'ai l'air d'avoir quand même beaucoup de fer ici, j'ai quand même 3 lignes complètes qui n'ont pas l'air de plus se consommer que ça pour le moment. Ça a l'air de tenir le coup. Je pense que je vais me faire une ligne de four directement à partir du fer qui est ici. Je pense que je vais la faire par ici. Ce sera plus logique. Taper à la fois dans les trois lignes ici. Et faire une ligne de four ici, juste pour l'acier. Et leur ajouter ça dans le main bus ici. À moins que. Du coup, comme j'ai besoin de cuivre et d'acier. L'acier au final ne me servira que pour les structures à faible densité, j'en ai besoin de 10. Mais c'est 30 secondes la fabrication, donc je pense que ce que je peux faire, on va faire ça très rapidement pour finir l'épisode ensemble. On va faire une petite ligne de four. Et on va mettre la sortie des fours dans des coffres logistiques. Pareil, on va utiliser le même principe. Cuisson.
Voilà, tandis que j'ai pas l'air de taper beaucoup dans le cuivre. J'ai mis des coffres d'approvisionnement ici. Et donc j'ai plus qu'à faire les bras de sortie. Et voilà. J'ai mes 10 usines de structure. Structure allégée. Comment ça s'appelle? Structure de faible densité. J'ai mes 10 usines de carburant pour fusée. Et j'ai mes 10 usines d'unités de contrôle. Et voilà. Donc j'ai 10 usines de tout qui vont donc alimenter. Qui vont alimenter ce train. Là c'est plein. Là ça commence. Là c'est pas tout à fait plein. Il me manquera donc juste la construction du satellite. Et je ferai ça donc du coup dans le prochain épisode. Je pense qu'on a quand même très très bien avancé. Voilà, le train arrive. Tout est déchargé. Les robots commencent à faire leurs allers-retours. Sur les 1000, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui se mettent à bosser. Et forcément, je demande 20 000. C'est pas du tout malin. Faut juste que je demande 100 de chaque élément. Pour laisser de la place aux autres, en fait, hein, tout simplement. 100. Voilà. Et là, du coup. Du coup, mon inventaire est plein. On va stocker ça là. Non, ça se remplit. Et donc, il y en a 100 de chaque. Donc, 100, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est. Là, il y a 10 lignes, il y a 10 cases, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait une ligne de carburant pour fusée, une ligne d'unité de contrôle, une ligne de structure à faible densité. Et il reste la dernière ligne pour, grosso modo, pour vider, le vidage se fera par ici des potions blanches, donc il n'y aura aucun problème. Et là, du coup, on est déjà à 5%. Je manque de structure à faible densité, mais c'est l'élément que je construis en dernier. Donc tout ça devrait s'équilibrer normalement. Ça, j'ai construit en premier, donc j'ai quand même pas mal de stock déjà. Et mon train va continuer à faire les allers-retours et du coup on est déjà à 5%. Je peux faire un lancement automatique avec cargaison. La cargaison il va me la manquer. Il va falloir que j'apporte donc le satellite. Donc on va décocher ça pour le moment. Si on peut le laisser. Et surtout je vais essayer de me faire comme j'avais fait dans une autre partie. Je vais essayer de me faire un afficheur. Un afficheur au niveau de la base. Donc il va falloir que je récupère les données qui sont ici pour me mettre un espèce de pourcentage d'évolution de la fusée, savoir à combien de pourcentage ça en est, sans que j'ai besoin de me déplacer jusqu'ici, même si c'est à 1 ou 2% près, avec une petite marge d'erreur, il n'y aura pas trop de soucis. Mais j'avais fait ça avec un petit afficheur digital. Et c'était très très sympa, donc je pense que je le referai. Mais pour l'instant, la priorité, ça va être la fabrication du satellite et de tous les éléments dont il a besoin. Et des choses que j'ai pas forcément automatisées, à savoir panneaux solaires, accumulateurs, radars, les processeurs, ce sera bon. Les structures à faible densité aussi, le carburant pour fusée aussi. Il n'y aura pas de souci, mais effectivement, panneaux solaires et accumulateurs. Et radar, je les ai pas encore fait. Pour les accumulateurs, il me faudra des piles, et pour les panneaux solaires, par contre, c'est de l'acier, du circuit électronique. Donc normalement, on devrait assister au lancement de la fusée pour le prochain épisode. En tout cas, je l'espère fortement. Donc on se retrouve très très vite. Je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao ciao.